Eh bien salut tous ces amis, c'est Amanos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente sur Skate 3. Donc voilà, histoire de changer un petit peu d'autres jeux, hein, Battlefield, Call of Duty, GTA, etc. Et on va un petit peu se détendre sur ce jeu, faire quelques petits défis, quelques petits tricks sympathiques, voilà. Découvrir de nouveaux, de nouvelles personnes, pardon, qui jouent sur le jeu. Donc j'ai remarqué qu'il y avait pas mal... d'espagnols sur ce jeu. Ouah, dommage. Allez, voilà, c'est tout ce que ça j'avais à vous dire. Dites moi si vous aimez ce jeu, je vous ferai d'autres vidéos là dessus hein. Je ne suis pas forcément fort sur ce jeu, ça fait assez longtemps en tout cas que j'ai pas joué dessus. Oula, ça a bugué là. Ok, wow, les gars, ça c'était cool ça. Wow, allez, quelques petits tricks là, allez, arrêtez de bugger là. Il y a des mecs qui quittent la partie parce que je suis venu en risant peur de se faire dégommer. Wow, ça c'était sympathique ça. Allez, on va faire ça. Oh non, on n'a pas plus de dommage. Oh, allez, descends. Oh, oh yes. Yes. Allez hop 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 hop. Ça aurait été sympathique s'ils avaient mis des skills sur GTA 5, franchement. Wow. Je me brûle plutôt pas mal là. Allez, hop là. Hop. GTA 5 avec les skateboards, ça serait magnifique parce que voilà, on pense pas forcément aller sur skate 3 pour jouer un jeu de skate, on est tout le temps sur GTA 5 voilà, jouer à ce genre de truc. On n'a pas trop le choix de toute façon parce qu'il y en a qui vont pas acheter skate 3 juste pour ça, et je veux dire que sur GTA 5 vous pouvez avoir pas mal de trucs, hein. Il y a déjà le BMX hein, qui nous fait pas mal de trucs dans le skatepark. Bon, il n'y a pas énormément de tricks, etc. Mais ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas un jeu fait pour ça de toute façon. Hop. Je ne sais pas s'il y aura un skate 4 qui va sortir. Ce jeu est quand même sorti en 2010. Bon, je pense que la partie va commencer. Je pense qu'on va faire juste cette partie là et arrêter la vidéo, c'est juste une petite vidéo détente. Hein. De temps en temps je vous proposerai des petites vidéos détentes sur différents jeux. Et voilà, sur des jeux pas comme pas habituels, quoi. Des jeux comme Skate, des Island, ou... pas du Call of Duty, pas de Battlefield, pas de GTA, pas d'Assassin's Creed, pas de. Des jeux connus, pas de Far Cry, parce que voilà, il n'y a que ça sur YouTube et ça serait bien de changer un petit peu des petites vidéos des temps pour d'autres jeux. Le son de la musique est assez fort, je baisse un petit peu parce que je pense que je suis en train de crier, mais alors que voilà, je pense que vous entendez très bien, vous voyez, avec le son. On va essayer quand même de gagner ce match. Il se débrouille plutôt pas mal hein, le mec, il n'est pas entendu. Là je pense qu'il va se péter la gueule, hein, ça c'est sûr. Non, non. Oh, j'ai sauvé. Ah oh, mais il n'aimait pas tomber, bah GG. Allez. Continue, t'as encore 20 secondes. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Pas mal. Bon, il risque pas trop hein, non plus. C'est des trucs assez simples, c'est pour ça. Je prendrai pas le risque non plus. Et dites-moi si vous aimez les questions en tarif aussi, parce que je vous en propose de plus en plus sur ma chaîne. Voilà, comme vous avez pu constater toutes les dernières vidéos, c'est des questions en tarif. Et je pense que la plupart vont être des questions en tarif, c'est plus sympathique. C'est bizarre, il n'y a que l'équipe rouge qui est en train de jouer. C'est un bon joueur. 4772 de score. On va voir ce que va faire son collègue. Oh,
Là on est en train de gagner en tous les cas. Oh, oh non, dommage, dommage. Il a fait un trick assez sympathique. S'il était tombé sur son skateboard, ça aurait été plus... être pas mal, je pense que c'est pas moi, ok. Allez, on va voir si l'équipe adverse est assez forte. Oh, oh là là. J'espère qu'il va pas skit là parce qu'il s'est fait exploser la tronche. Ah, c'est à moi, ok, c'est parti. On se concentre. Allez, on va pas prendre trop de risques. Oula! Allez, allez, wow, 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 wow! X de ouf! Oh non, dommage! Je me suis pété la tronche! J'ai rapporté que 1878 de score, c'est pas grave. On va voir ce que les collègues vont pouvoir faire. On va voir déjà si les adversaires sont assez forts parce que là ils font 0 au niveau de leur score alors que nous on fait 9270. Oh, pas mal ça, pas mal! Je sais pas comment on peut faire ça, je pense que vous pouvez sur L2, R2. Et puis descendre les deux analogues. Peut-être que c'est ça. Parce que juste avant de commencer. Oh, ça c'était pas mal. Franchement, si. Mais il risque beaucoup trop. Hein. Il aurait pu juste. Juste faire un petit trick et puis faire son grand trick sur l'autre. L'autre rampe, mais bon. Allez, ça à nous. Il utilise la même technique que moi là. À mon avis, la rage kit, ouais. La rage kit. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, le rage kit passe, s'il te plaît. Rage kit passe, s'il te plaît. On est en train de gagner. Ça sert à rien de rage kit. Ils sont en train de parler. Oh, oh. Ah lui il a vraiment pas de chance hein. Il s'est fait déglinguer mais... Allez c'est à moi je pense, on va centrer cette fois-ci. On va pas faire de la merde. Bon je vais pas trop risquer, je vais faire des tricks basiques. Allez plus vite s'il te plaît. Oh ça c'était plutôt sympathique. Yeah, le mec il est chaud. Allez, je suis chaud les gars. Oh, dommage. Dommage, mais bon, j'ai fait un truc, c'est pas mal. Même l'adversaire était assez impressionné, hein. Je sais pas si vous avez entendu sa réaction. Petit anglais. Oh, il est en train... Oh my god. On se croit sur Call of Duty, allez. Fait des trucs, ça c'est pas mal hein. Franchement il est assez expérimenté. Wow, qu'est ce que je disais les gars, franchement ça je serais pas capable de faire ça. Waouh, wow, GG. Je voulais lui parler mais bon il s'est fait exploser la tronche. Je vais juste lui dire il jouait très bien. Allez, non, non, il veut... Non. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Non, non. Prends pas de risque. Prends pas de risque, mec. Bon, ça va être chaud, là, non? Allez, allez, ne tombe pas. Oh, GG. Bien joué. Bien joué. Ça, c'était bon, ça. Oh, bien joué. Allez. Ne tombe pas, t'as encore 38 secondes. Oh, dommage, il est pas tombé sur la rampe. Bon.
Allez, c'est pas grave. Ah, l'équipe adverse, lui, il est pas super fort. En fait, il a pas trop de chance, hein, vous allez pouvoir le constater. Il a pas beaucoup de chance, hein, regardez. Qu'est-ce que je disais? Il a vraiment pas beaucoup de chance. Et MX8, là, il est en train de rager. Pourquoi je suis tombé avec ce ballon? Alors, non. Il sait pas trop par où aller, en fait. Il est parti par là. Et tout le monde sait que quand tu sautes avec ton skateboard par là, tu t'exploses les jambes tout simplement. Allez, on va pas prendre trop de risques. Wow, ça c'était sympa. Oh, cool ça. Oh. Oh, dommage. À chaque fois je me pète la gueule ici, c'est pas grave, allez. On est en train de gagner, on va voir ce qu'il faut faire. Ne reste quittez pas, s'il vous plaît. Vous allez voir, lui franchement il joue pas mal. Oh, il est tout seul en plus contre nous deux, ça va être chaud pour lui. Regardez, waouh, franchement c'est assez hardcore comme tricks. Wow, oh, ça c'était bien joué. Wow, yeah man. Je suppose que c'est un anglais, c'est pour ça que... Allez. Alors franchement il est puissant le mec. Wow. Il est chaud, peut-être qu'il va... Ah, dommage. Dommage. Ah, défi terminé, bon on a gagné. Bien joué mec, franchement t'as bien combattu. C'était des tricks super bons. Ok. Voilà, équipe, donc c'est nous, hein. On a gagné la partie. Tout simplement, voilà, je vais pas faire d'autres parties, sinon ça va être beaucoup trop long. Je pense que vous avez pas assez de temps pour regarder une vidéo détente super longue. C'est les études, voilà, vous avez des devoirs à faire. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Un petit commentaire, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur Skate 3. Je vous proposerai de temps en temps des petites vidéos détentes, hein, sur différents jeux. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien et ciao tout le monde.